Salut les amis, ou sous la Rose Naduga Production, pas oublier abonner à la chaîne. Nous allons parler un peu sur pouvoir législatif là, à nous suivre. Premier sénateur à présenter, c'est Francenaire Denius, c'était élu sous bannière Vérité le 25 octobre 2015 et la lité prêté serment en janvier 2016. Deuxième sénateur, c'est Wilfried Gélin, il était élu sous PHTK le 20 novembre 2016 et il doit partir en janvier 2020, c'est sénateur centre. Troisièmement, nous avons Richard Linerve Foucan, en département sud, il était élu sous PHTK le 25 octobre 2015 et il était prêté serment en janvier 2016. Quatrième sénateur, c'est Evalier Bouplan, qui est président du parti politique PON. Il était élu le 25 octobre 2015, il prêtait serment le 11 janvier 2016, qui doit partir en janvier 2020. Nous avons le sénateur Nordeslan, Jacquito, Jacques Sauvé-Jean, élu sous bannière PHTK le 25 octobre 2015, il prêtait serment le 11 janvier 2016, qui doit partir en janvier 2020. Sixième sénateur qui t'a de parti en janvier 2020, c'est Naoum Marcellus qui était élu sous bouclier dans le Nord le 20 novembre 2016. Il y prêtait serment le 9 janvier 2017. Septième sénateur qui t'a de parti en 2020, c'est Antonio Cherami dit Don Cato, élu en bas manière vérité le 25 octobre 2015. Il y prêtait serment le 11 janvier 2016. Huitième nègre qui t'a de perdre pouvoir lui comme sénateur, c'est Sorel Jacinthe dans Grand Danse. Il était sous bannière Unité, il est élu le 20 octobre 2016, il était prêté serment le 9 janvier 2017. Nous gagnons l'actuel président du Sénat, Karl Miracantave, dans la Tibonite, qui est élu sous AAA, il était acteur le 25 octobre 2015, il est prêté serment le 11 janvier 2016, qui t'a de parti. Nous avons gagné Ricard Pierre en sud-est qui était élu sous bannière Petite Dessalines le 25 octobre 2015. Il prête serment le 11 janvier 2016 qui a dû partir en 2020.